Salut à tous, j'espère que vous allez bien, content de vous retrouver. Merci aux nouveaux abonnés, abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait. Je mettrai en description mon Discord, mon Facebook, etc. Désolé pour sur Facebook, pour ceux qui m'envoient des messages. En ce moment, la panique étant à son paroxysme, je reçois un nombre incalculable de messages sur Facebook. J'ai vraiment pas le temps de répondre, je suis désolé. J'aimerais ici vous raconter l'anecdote. Et ça va illustrer un petit peu le propos que je tiens depuis une décennie maintenant sur Internet. Hier, j'ai été surpris, par moi-même, de me voir contraint de remplir une feuille, une attestation, comme sur l'honneur, comme quoi j'allais partir acheter deux pots de confiture. Et oui, étant tous en confinement total, j'étais contraint pour, en cas de contrôle, justifier ma sortie, de remplir cette fameuse attestation. Et au moment où j'écrivais, je me suis dit, c'est quand même fou. Big Brother est en train de me demander de justifier ma sortie pour acheter deux pots de confiture. Et je pousse ici la réflexion, comme j'ai pu le faire sur Discord, pour vous expliquer la chose suivante. Vous voyez, pour ceux qui nous disent que les choses sont impossibles et que l'avènement d'une dictature mondiale est impossible, c'est ici oublier le fait que nous sommes... Dans l'histoire, nous ne sommes pas en dehors de l'histoire et que nous subissons les événements. Par exemple, pour ce confinement total, l'arrêt total, quasi total de notre économie, et puis le fait qu'ils vont nous imposer bientôt sûrement un vaccin mondial, c'est dans le contexte que l'on peut comprendre les événements. Par exemple, quand on comprend les événements du pourquoi je remplis une attestation pour aller acheter deux pots de confiture, on se dit, c'est normal. Il y a une épidémie, les autorités se sont basées sur des faits scientifiques pour expliquer qu'un confinement est nécessaire. Et c'est vrai. C'est vrai que c'est incontestable. Le confinement et la mise en quarantaine sont des mesures d'urgence nécessaires en cas de pandémie. Mais dès lors qu'on s'extrait du contexte et qu'on écoute juste les décisions prises par les autorités de manière unilatérale sans prendre en compte l'avis des Français qui, pour le coup, n'a pas lieu d'être puisque ce sont les scientifiques qui savent mieux que les peuples. Vous comprenez donc le confinement, etc. Vous connaissez la distance, la file des magasins qui doit être dans les supermarchés qui doit être à plus d'un mètre sur chaque client. Ce sont des mesures imposées par l'État. Et la science fait autorité, la situation fait autorité. Et c'est à cause de ces événements qu'il est incontesté et incontestable que ce confinement est obligatoire, que ces conditions sanitaires sont obligatoires. Et attention, vous allez voir que des prochaines décisions, dans les prochains jours, vont tomber encore plus dures que celles-ci. C'est pour vous expliquer que dans un contexte précis, des arguments implacables, par exemple ici ce sont des scientifiques qui s'expriment, pourront et peuvent valider des décisions qui, dans un autre contexte, pourraient ressembler à des décisions de dictature. Je vous dis ça parce que, excusez-moi, nous subissons l'histoire. Que ce soit par opportunisme ou dans un agenda, des événements ont lieu dans le monde. Et c'est exactement l'illustration parfaite avec ce que l'on vit aujourd'hui, que la dictature de fait s'imposera. La dictature mondiale de fait, par les événements qu'on aura subis, par tout ce que l'humanité aura subi. Et maintenant, vous serez bien malin de dire que c'est impossible avec ce qu'on vit aujourd'hui. Eh bien, par les événements qu'on aura vécu, cette dictature qui ne dira pas son nom le fera pour votre bien. C'est ce qu'on vous dit. Cette mise en quarantaine, ce confinement, qu'est-ce qu'on nous dit? C'est pour vous. Protégez-vous. On agit pour votre bien. Et scientifiquement, c'est vrai. Donc c'est incontestable. C'est dans ce cadre-là, je vous laisse y réfléchir, c'est dans ce cadre-là que s'imposera cette dictature avec bon nombre de catastrophes mondiales qui auront lieu cette prochaine décennie. Je vous laisse y réfléchir.